général du SNES au sein de la FEN. Et lors de l'exclusion du SNES, il fut un acteur déterminé, comme d'autres, de la volonté de créer une nouvelle fédération dont les statuts garantiraient la vie démocratique et l'indépendance. Et c'est donc Alain qui va nous lire son témoignage. Oui, merci. Je ne vous présenterai pas Pierre Toussenel, que beaucoup connaissent. Et si vous voulez en savoir plus sur son parcours très original, je vous renvoie à sa biographie dans Le Métron, que j'ai eu l'honneur de signer. Voici ce que Pierre Toussenel nous dit. L'éviction du SNES et du SNEP de la FEN a provoqué une profonde émotion chez les syndiqués, de tous les syndicats de la Fédération et de l'extérieur. Elle a provoqué aussi une volonté de faire échec à ce mauvais coup et de rechercher ensemble les moyens de rassembler toutes celles et tous ceux qui refusaient d'abandonner le terrain à ceux qui avaient choisi d'exclure plutôt que d'accepter le débat et le choix des syndiqués. Au SNES, notre préoccupation constante a été d'associer tous nos adhérents à la réflexion sur les moyens d'y parvenir et de travailler avec tous les syndicats et tous les courants de pensée qui partageaient cette volonté. Nous avons mené ce débat dans le SNES en préparant un congrès extraordinaire qui s'est tenu à Paris à la fin de l'année scolaire, au début du mois de juillet, je m'en souviens très bien, et nous l'avons mené dans le collectif réunissant syndicats et courants de pensée qui partageaient l'objectif de reconstruire rapidement un outil syndical démocratique et efficace. Cet objectif a très vite rassemblé SNES, SNEP, SNETAP, SNETA, rejoint par le nouveau SNUIPP, créé par les militants Unité Action et École Émancipée du SNUIPEGC, qui refusait l'exclusion, et par les courants de pensée Unité Action, École Émancipée, autrement, et même les anciens du FUO. Tous entendaient construire rapidement, avec les syndiqués, ce nouvel outil. C'est ce processus, pris en charge par les syndiqués, qui a débouché en un temps record sur la création de la FSU. Il a aussi été ratifié par les personnels dont les suffrages ont placé la FSU devant la FEN lors des élections professionnelles suivantes. Dépité, le gouvernement Balladur, qui voyait d'un mauvais œil cette évolution, s'est permis de modifier les règles de répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique une fois connus les résultats des dites élections. Une anomalie démocratique qui lui a permis d'attribuer plus de sièges à la FEN-UNSA qu'à la FSU, alors que les électrices et électeurs avaient fait le choix inverse. Tout lui était bon pour fabriquer une majorité plus encline à accepter l'austérité. Gérard. Donc maintenant,